Bienvenue dans ce voyage méditatif, une invitation à laisser derrière vous le tumulte du monde extérieur pour plonger dans un vaste océan de douceur et de tranquillité. Alors, installez-vous confortablement, étirez-vous si vous en ressentez le besoin et fermez doucement les yeux. Et vous pourrez faire confiance à votre corps pour trouver sa position. Et vous laisser aller au fil des paroles et de la musique. Commencez par prendre conscience de votre respiration. Inspirez lentement par le nez, permettant à vos poumons de se remplir d'un air frais. Puis expirez par la bouche, libérant toutes les tensions. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et continuez ce cycle doucement, vous concentrant sur le rythme naturel de chaque inspiration et de chaque expiration. À votre rythme. Puis laissez la respiration reprendre son rythme naturel. Et imaginez que vous êtes sur le bord d'une plage, les pieds enfoncés dans le sable chaud, le bruit des vagues venant doucement caresser vos oreilles. Le monde autour de vous est une symphonie de son naturel. Le doux sifflement du vent, le chant mélodieux des oiseaux, le crépitement des feuilles sous la brise. Chaque son, chaque sensation et comme une porte qui s'ouvre, vous invitant à entrer dans un espace de calme et de tranquillité. Chaque inspiration que vous prenez est comme une vague qui remonte et qui redescend à l'expiration, vous entraînant de plus en plus profondément vers un état de profonde sérénité. Et alors que vous vous préparez à plonger dans cet océan de tranquillité, souvenez-vous que ce voyage est le vôtre et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire l'expérience de cette méditation. Pas de destination à attendre, mais seulement un chemin vers votre monde intérieur. Tout comme la mer embrasse tout ce qui vient à elle, accueillez chaque pensée, chaque sensation, chaque expérience, avec ouverture et curiosité. Cette méditation est une invitation à simplement être ici et maintenant. Imaginez que chaque respiration que vous prenez est une vague qui vous porte doucement. Vous pouvez lâcher prise. Vous permettre une détente un peu plus profonde. L'esprit est comme un ciel vaste et illimité, tout comme le ciel accueille les nuages, les oiseaux et les étoiles. Notre esprit peut accueillir sans jugement toutes nos pensées, émotions et expériences.
Imaginez vos pensées comme des nuages qui flottent dans le ciel de votre esprit. Certains sont petits et légers, d'autres sont plus gros et plus lents, mais tout se passe, change de forme et de taille, sans jamais affecter le ciel lui-même. Et de même, vos émotions sont comme des oiseaux dans le ciel de votre esprit. Certains volent haut, certains plongent très bas, certains sont rapides et agiles, et d'autres sont lents et gracieux. Mais quel que soit leur mouvement, ils ne perturbent jamais le ciel lui-même. Et vos expériences, elles sont comme des étoiles dans le ciel de votre esprit. Certaines sont brillantes, d'autres sont plus effacées. Certaines peuvent sembler très proches, et d'autres très éloignées. Mais toutes sont accueillies dans l'espace infini de votre esprit. Comme le ciel, votre esprit a la capacité d'observer et d'accepter toutes ces choses. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur un nuage, un oiseau, une étoile en particulier, ou vous pouvez simplement rester conscient de l'ensemble du ciel, dans toute son immensité. Ainsi, vous ouvrez votre cœur et votre esprit en créant un espace pour que vos pensées et vos émotions puissent simplement être. Votre esprit alors devient paisible et illimité. Imaginez maintenant une lumière apaisante descendre du ciel, douce et bienveillante. Elle brille d'une chaleur dorée. Cette lumière commence à se déverser sur le sommet de votre tête, comme une douce pluie de détente. Concentrez-vous sur le front, laissant cette lumière dorée détendre chaque muscle, chaque fibre. Elle lisse les rides, dissout les lignes de stress, laissant votre front lisse et tranquille. Descendez vers vos yeux. Sentez la lumière dorée libérer toutes les tensions des yeux, soulageant le poids du regard. Vos paupières deviennent lourdes. Vos yeux se détendent comme deux miroirs d'eau paisibles. Maintenant, descendez vers votre bouche et votre mâchoire. Sentez la lumière apaisante détendre ses muscles. Poursuivez vers le cou, laissant la lumière dorée adoucir les muscles, les tendons, comme le soleil fond la neige au printemps. Maintenant, placez votre attention sur vos épaules, permettant à la lumière de relâcher tout le poids que ces épaules portent. Vos épaules deviennent légères et libres. Et cette lumière continue à descendre dans vos bras, passant par vos coudes, vos poignets, jusqu'au bout de vos doigts. Chaque muscle se détend, chaque tension est libérée, comme des notes d'une mélodie apaisante qui s'estompe dans le silence. La lumière descend encore plus bas, enveloppant votre poitrine et votre dos. Votre respiration devient plus profonde,
plus détendu. Et laissez cette lumière se déplacer vers votre estomac et vos hanches. Chaque muscle se détend, chaque tension se dissipe, vous vous libérez, vous laissez aller. Enfin, la lumière descend le long de vos jambes, passant par vos genoux, vos chevilles, et atteignant vos pieds. Vos pieds deviennent lourds, calmes, relâchés. Vous laissez aller. Passez un moment dans cet état de détente profonde, en profitant de chaque respiration, de chaque battement de cœur paisible. Alors que vous vous réjouissez de cette sensation de détente profonde, avec chaque respiration calme et chaque battement du cœur paisible, laissez votre esprit se plonger dans un voyage intérieur. Imaginez que chaque battement du cœur est un pas sur le chemin de cette nouvelle aventure. Et laissez-vous guider dans cette histoire ancienne. Il était une fois, dans une vallée isolée de l'Himalaya, un sage nommé Dorje, vivant dans une humble demeure en haut d'une montagne. Il passait ses journées en méditation et en contemplation silencieuse. Il était respecté et vénéré dans toute la région pour sa sagesse et sa tranquillité. Et de nombreuses personnes, des plus humbles jusqu'aux plus puissantes, cherchaient son conseil. Un jour, un jeune homme appelé Karma, originaire d'une ville animée en contrebas de la montagne, est venu voir Dorje. La vie dans la ville était bruyante et chaotique, pleine de désirs et de distractions. Et Karma se sentait constamment agité et insatisfait. Il avait entendu parler de la paix que Dorje semblait posséder, et il était venu le chercher. Lorsqu'il est arrivé, Dorje l'a accueilli avec un sourire doux et lui a demandé « Qu'est-ce qui t'amène ici, Karma ?» Karma a regardé le sage et a répondu « Dorje, je suis perdu dans le tumulte de la vie et je cherche la paix intérieure. Je vois cette paix dans vos yeux et je veux savoir comment je peux la trouver moi-même. » Dorje sourit et dit « Karma, la paix n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu cultives. » Karma était perplexe. « Cultiver ? Comment puis-je cultiver la paix ?» Dorje explique « Imagine que ton esprit est comme un jardin. Pour qu'un jardin fleurisse, tu dois d'abord préparer le sol, planter les graines, les arroser et les soigner. De même, la paix intérieure vient de la préparation de l'esprit, de la compassion et de la sagesse, et de leur arrosage avec la méditation et la pleine conscience. » Ces mots ont touché quelque chose en Karma. Il a demandé « Quels sont les outils que je dois utiliser pour préparer mon esprit ?» Dorje a souri et dit « La clé est la présence et l'acceptation. Sois présent à chaque moment, accueille chaque expérience, avec acceptation, qu'elle soit agréable ou désagréable. C'est en accueillant toutes les expériences que tu créeras l'espace pour la paix. » Karma a ensuite décidé de rester avec Dorje, apprenant à cultiver son jardin intérieur. Il a pratiqué la méditation, a appris à être conscient de chaque instant et à accueillir chaque expérience, positive ou négative, avec une équanimité paisible. Au fil des jours,
des semaines et des mois, Karma a commencé à sentir un changement en lui. Les pensées et les sentiments tumultueux qu'il avait autrefois déstabilisés ont commencé à se calmer, remplacés par une tranquillité d'esprit croissante. Il est venu un jour où, alors qu'il était assis en méditation dans le jardin silencieux, Karma a ressenti une paix intérieure si profonde qu'il s'est presque perdu dedans. Dans cet instant de pure conscience, il a réalisé que la paix qu'il cherchait avait toujours été en lui. Il n'avait eu qu'à la cultiver. Il s'est alors levé et a cherché Dorje. Lorsqu'il l'a trouvé, il lui a dit « Dorje, je comprends maintenant. La paix que je cherchais n'était pas quelque chose que je devais trouver à l'extérieur de moi, mais quelque chose que je devais cultiver à l'intérieur. » Dorje a souri et a dit « Oui Karma, tu as compris, tu as cultivé ton jardin intérieur et maintenant tu récoltes les fruits de la paix. » Karma a continué à cultiver son jardin intérieur avec diligence, peu importe les tempêtes qui soufflaient à l'extérieur. Il a trouvé la paix à l'intérieur de lui-même, un sanctuaire silencieux qui était toujours calme et serein. Ainsi, l'histoire de Dorje et Karma nous enseigne que la paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on cultive. C'est un jardin intérieur que nous devons nourrir et entretenir avec la présence, l'acceptation et l'amour. Et lorsque nous faisons cela, nous découvrons que la paix que nous cherchons a toujours été en nous, attendant d'être découverte. Maintenant que vous êtes complètement détendu, vous pouvez laisser votre esprit vous emporter vers une aventure onirique. Imaginez qu'un petit nuage blanc, doux et moelleux, descend du ciel et s'arrête à côté de vous. Il vous invite à monter à bord pour un voyage dans des contrées lointaines. Montez doucement sur le nuage. Sentez sa douceur sous votre corps, comme un doux oreiller ou un matelas très confortable. Lorsque vous êtes prêt, le nuage commence à s'élever lentement, vous emportant doucement dans le ciel. Regardez en dessous. Voyez les environs devenir de plus en plus petits alors que vous montez doucement. Vous êtes dans le ciel, entouré de la pureté, du bleu et de la blancheur des nuages. Le petit nuage traverse les paysages. Vous voyez des montagnes majestueuses, des forêts luxuriantes, des océans et des déserts dorés. Le voyage est apaisant. Chaque panorama vous remplit de sérénité et de paix. Vous observez les créatures terrestres qui vivent dans ces contrées, en parfaite harmonie avec la nature. L'observation de cette unité naturelle vous remplit d'une sensation de connexion profonde avec l'univers. Le nuage vous amène maintenant vers une douce nuit où des milliers d'étoiles scintillent comme autant de joyaux sur un tapis bleu hypnotique. Vous pouvez sentir l'immensité de l'univers, son mystère infini et sa beauté enchanteresse. Le nuage vous conduit à un endroit paisible,
sous le ciel étoilé, au milieu de cet univers hors du temps. Il vous dépose doucement, flottant juste au-dessus du sol. Ici, sous le dôme étincelant de la nuit, vous vous allongez. Vous vous sentez léger, en paix et en harmonie avec cet univers. Le doux murmure du vent vous berce, tandis que le scintillement des étoiles vous éclaire doucement. Votre respiration devient plus calme, de plus en plus profonde, tandis que vous vous laissez emporter par la vague du sommeil. Lentement, vous vous endormez sous le ciel étoilé. Enroulé dans la douceur du nuage, bercé par le murmure du vent. Vous savez que lorsque vous vous réveillerez, au matin, vous vous sentirez reposé, rechargé et plein d'énergie positive. Mais pour le moment, laissez-vous simplement glisser dans les bras accueillants du sommeil, confiant et serein. Sous le vaste ciel étoilé, et plongez à votre rythme vers un sommeil profond et réparateur. Et il est temps pour moi de vous dire merci et bonne nuit. Nous nous reverrons peut-être dans cette méditation ou dans une autre.